Quelle journée! Regarde tous ces déchets! Hé, hey, tu es dans mon soleil! J'essaie de travailler mon bronzage! Oh, il fait tellement chaud! Je fonds! Oh, c'est dur! Waouh, il fait si chaud! Je ne me sens pas très bien! Je vais m'évanouir! Papon, papon, on a une urgence! What? Je dois l'aider, Doc! Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une énorme boule de feu dans le ciel! Docteur, j'ai besoin de votre aide! Fais quelque chose! Ne me dis pas comment faire mon travail! Juste arrête! Ah, quelle bonne sieste! J'avais besoin de ça! J'ai fait le rêve le plus étrange! Je ferais mieux de me préparer! Ouh, c'est chaud! Mes pauvres petits pieds! Hein? Qu'est-ce qu'on a ici? Voyons voir! Intéressant! Waouh, plutôt chic! Je vais faire quelques ajustements. Je vais appliquer de la colle sur la semelle. Je vais y aller jusqu'en bas. Je vais ajouter une autre couche. Ensuite, je mettrai une sandale dessus. Plutôt bien, hein? J'ai toujours rêvé de chaussures. J'ai hâte de les essayer. Ça y est, il est temps de les essayer. Wouhou! Où est-ce qu'elle s'est acheté cette paire? Paris? Milan? Elles ont l'air si chic. Alors, tu les aimes? Je les ai conçues moi-même. Toutes là sont tellement dépassées. J'ai tellement de chaussures. Je vais essayer celle-là. Non. Ah, celles-ci feront l'affaire. Attends, où sont les talons? Il est temps d'aller en cours. Waouh! Ouf, j'espère que personne n'a vu ça. Non, ça ne peut pas arriver. Mes chaussures, elles sont ruinées. Oh, j'ai oublié ça. C'est un monde cruel. Peut-être que mon rouge à lèvres me remontera le moral. Attends une seconde, ça pourrait être la réponse à mes problèmes. Ça vaut la peine d'essayer. Souhaitez-moi bonne chance. Je vais devoir appliquer de la colle en bas de la chaussure. Je veux le couvrir. Ensuite, j'appuierai mon rouge à lèvres dessus. Voyons à quoi il ressemble. Waouh, tellement à la mode. Mes amis seront jaloux. Regardez ça. Waouh, je les adore. Je savais que tu le ferais. C'est du rouge à lèvres? Regarde ça. Qu'est-ce que tu fais? Ces cours de yoga portent leurs fruits. Ça a l'air douloureux. Ça en vaut la peine. Je dois être présentable. Est-ce que tes chaussures font ça? Non, et je suis plutôt contente. On peut accélérer ça. Et on a terminé. Qu'est-ce que c'est? Tu sais quoi faire? D'accord, ça va. Je vais créer une œuvre d'art. Tu as fini? Hein? Quoi? Est-ce que c'est du caca? Grandis un peu! C'est juste pour s'amuser! Tu ferais mieux de le réparer! Waouh, je suis riche! Ce fut un plaisir de faire affaire avec vous! J'ai exactement ce qu'il faut! Dites bonjour à mon petit ami! Regardez ça! Je vais l'ouvrir! Je dois le préparer! C'est comme une opération chirurgicale! Je dois être précise! Cette pièce va au-dessus! Maintenant, je peux le refermer. Je vais presser la tête. J'adore cette partie. C'est pour toi. Je vais le mettre sur ton pansement. Ça ajoutera de la couleur. Mon travail ici est terminé. Oh là là! C'est merveilleux! C'est génial, Doc! Merci! Je fais juste mon travail. Et moi? Tu entends quelque chose? Peux-tu réparer mon pansement? Ça va te coûter cher. Ça pourrait être un problème. Je suis fauchée. Eh bien, on a un problème. Allez, s'il te plaît. Il doit y avoir quelque chose que tu puisses faire. Ah, mon travail n'est jamais terminé. Finissons-en. Je vais utiliser ces post-it. Quoi? C'est tout? Oh, tu es tellement exigeante. D'accord, je vais le décorer. J'aurais dû être vétérinaire. Ne bouge pas. C'est tellement excitant. Qu'est-ce que tu dessines? Je n'ai pas fini. Je vais utiliser le reste des post-it. Je me sens artistique. Tu aimes les fleurs? Waouh! Waouh, trop cool! C'est fabuleux! Je suis tellement heureuse. Il est tellement facile de lui faire plaisir. Tu as un don naturel. C'est l'heure du goûter. Voyons ce qu'on a là. Un journal? Je peux pas manger ça! Qu'est-ce que j'ai dans ma poche?
Pas grand-chose. Ça va pas le faire. C'est tellement décevant. Au moins, j'ai quelque chose à lire. Non, ça ne va pas. Attendez. Non, c'est de la camelote. Hé, c'est quoi ton problème? Oh, je dois trouver une nouvelle benne à ordures. Bon, j'en étais où? Ah oui! Donnez-moi de l'argent! Personne ne veut m'aider? J'ai une idée. Tiens, prends ça. Et souviens-toi, je n'ai jamais été là. Ok, c'était bizarre. Y'a quoi là-dedans? Waouh, j'y crois pas! C'est quoi tout ce bruit? Attendez une seconde. Je n'ai pas d'espèce. Tu peux la prendre. Waouh, pas possible! C'est une vraie? C'est mon jour de chance! Quoi? Vous vous moquez de moi? Et moi alors? Eh bien, comment ça va? Tout va bien? Je tousse un peu. Oh non, pauvre homme! Tu dois aller à l'hôpital! Quoi? Je suis malade aussi! Regardez! Hein? C'est vraiment nécessaire? Je veux pas faire ça! Ok, qui est la suivante? Moi, s'il vous plaît! Vous deux, entrez! Ok, c'était amusant! Waouh! Où est-ce que je suis? Waouh! Je suis au top! Qu'est-ce qui se passe? C'est incroyable! Waouh! J'adore les diamants! Mais cette décoration! Oh, il faut la changer! Docteur, entrez! Oui, est-ce qu'il y a un problème? Tout ça, là, ça doit partir. Je ne te laisserai pas tomber. J'aurai besoin de quelque chose de spécial. Allez, au boulot. Ce ne sera pas long. L'or ajoutera de l'éclat. C'est exactement ce que je veux. Waouh, c'est magnifique! Je pense que ça ira. Waouh, c'est parfait! De l'or déchiqueté! Ça peut aller sur le mur. Ouh, super! Ça, c'est mieux! C'est tout à fait mon style. Parfait! J'ai quelque chose pour vous! Vous l'avez mérité! Oh, tu n'aurais pas dû! C'est tellement gentil! Waouh! Est-ce que c'est... Oh, incroyable! J'aimerais avoir de l'or! Hey, docteur! Je dois y aller! Le devoir m'appelle! J'ai besoin de votre aide! Non, mais c'est une blague! Je vaux plus que ça! Mais peut-être que je peux quand même t'aider! J'ai ce dossier! À quoi ça sert? Je prends quand même l'argent. À plus. Qu'est-ce que je suis censée en faire? Ah, j'ai compris. Je dois le découper. Ça devrait être facile. Ceci garantira qu'il soit bien droit. C'était facile. J'ai encore du travail à faire. Je vais devoir plier la chemise en deux. Comme ceci. Ensuite, j'aurai besoin de colle. Je vais en appliquer un peu ici. Ça devrait suffire. Maintenant, je vais replier l'autre extrémité. Je vais appuyer les extrémités ensemble et bien presser. Maintenant, je vais passer plus de chemises à travers la boucle. Et je vais répéter le processus. Je veux fabriquer une chaîne. Il m'en faudra beaucoup plus. Waouh, ça a l'air génial! Waouh, elle a fait ça! Je n'ai rien! On dirait un arc-en-ciel sur mon mur. Attendez, qu'est-ce que c'est? Un bouton mystérieux? Je vais appuyer dessus. Et maintenant? Pas possible! Est-ce que je rêve? Waouh! C'est trop cool! C'est un peu ennuyeux. J'ai trouvé! Je peux utiliser ce carton! J'ai besoin de faire des plis. Je suis fort en origami. C'est un bon début. Il me faut un feutre. Je vais dessiner des triangles dessus. Comme ça. Maintenant, je vais le retourner. Je dois le couper. Je suivrai les lignes. Un coup de ciseau par ici. Je ferai ça tout le long. Je ne veux faire aucune erreur. C'est exactement ce que je veux. Ça a l'air bien. Je vais l'accrocher sur ma maison. Ça semble être un bon endroit. Ensuite, je vais ajouter de la couleur. Je vais commencer par la peinture. Je me sens vraiment comme un artiste. Je devrais en devenir un. Jusqu'ici, tout va bien. Maintenant, je vais la remplir. Que faire maintenant? Ah, je sais! Je vais ajouter des tiges vert foncé. Ça va vraiment prendre forme. Je sais quoi faire maintenant. Je n'ai pas besoin de ce gant. J'ai besoin d'une approche plus pratique. Je vais peindre sur ma main. Ça chatouille, mais ça en vaudra la peine.
J'ai besoin de faire des pétales de fleurs. Ça fera l'affaire. Ensuite, je vais la presser contre le mur. Wow, ça a marché! Qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez ça? Hein? Qu'est-ce que c'est? De belles fleurs. Mère Nature serait fière. J'adore! Oh, c'est tellement joli! C'était la réaction que je cherchais. Ces fleurs sentent si bon! Eh bien, j'ai aussi des fleurs. Je sens juste mauvais. Oh, qu'en est-il de ça? Non, rien. Oh-oh! Achoum! Achoum! Mon allergie! C'est tellement injuste! Mais j'ai une idée! Ce sera bien! Il est temps de se mettre au travail. Je vais dérouler le papier toilette. J'ai besoin d'une feuille. Je vais le découper. C'est parfait. Maintenant, je dois lui donner une forme. Je vais le rouler doucement. Je ne veux pas déchirer le papier. Maintenant, je vais pincer la base. Je vais enrouler un autre morceau autour. Je veux créer les différentes couches. Je vais ajouter une feuille de plus. Ça suffira. Ça ressemble à une rose. Et ça ne me fait pas éternuer. Attendez un peu. Ça me donne une idée. Je peux décorer la pièce. Je vais mettre la fleur sur cet arbre. Je vais en ajouter un peu plus. On dirait que ça fleurit. C'est la dernière. Waouh, je suis tellement heureuse. De quoi tu parles? Hé, c'est plutôt bien. Quelqu'un est jaloux? C'est ce qu'on va voir. Ça fonctionne d'habitude. Bon, je vais utiliser la cloche. Hé, venez ici. J'attends. Oh, j'abandonne. Je vais devoir le faire moi-même. Je vais devoir utiliser ce cercle. Je vais devoir le séparer. C'est la partie facile. Maintenant, j'ai besoin d'un tube en mousse. Je vais le glisser par-dessus le cercle. Je vais le pousser tout autour. Ensuite, je referme le cercle. Maintenant, je peux la décorer. Je vais enfoncer les fleurs dans la mousse. Je veux la couvrir. Heureusement, j'ai beaucoup de fleurs. Ça va être époustouflant. Je m'amuse tellement! C'est trop fun! Je vais mettre ça juste ici. C'est tout! Waouh, c'est incroyable! Regardez ça! Waouh, j'y crois pas! C'est une œuvre d'art! Je vais la suspendre juste ici. Je pourrais la regarder toute la journée. Comment je vais rivaliser avec ça? Qu'est-ce que... Le doigt fuit! Juste ce qu'il me fallait. Oh, ça devrait tout arranger. C'est parti! Wow, je suis dans la zone! Ça a l'air bien! Oh ouais! C'est de ça que je parle! Mon propre abri de pluie! Jette un coup d'œil! Qu'est-ce qu'il y a maintenant? C'est beau, hein? Ouais, j'aime bien! Mais je préfère la mienne! Mets-toi à l'aise! Mon expérience peut commencer! Où sont mes ciseaux? C'est l'heure du spectacle! Non! Ah! Arrête de te plaindre! Ce n'est pas fini! Aïe! Ma tête! Ça fait tellement mal! C'est un bon endroit pour mon argent! C'est mon odeur préférée! Merveilleux! Aïe! Mon doigt! Ça fait mal! Peut-être que ceci aidera? Les diamants me font toujours me sentir mieux! Pourquoi c'est si long? J'ai pas toute la journée. C'est quoi ce bruit? Une poupée? D'où est-ce qu'elle sort? Je vais pas m'en plaindre. On dirait que j'ai un nouveau copain. De quoi il parle? Regarde là-bas. Est-ce qu'on devrait les prendre? Oui, pourquoi pas. J'adore les poupées. C'est bon, je suis de retour. Hein? Où elles sont passées? Elles ont disparu! Oh, non! Mon expérience est fichue! Ma poupée est si jolie! Ce sont mes poupées! Quoi? Vous avez volé mes poupées! Je veux les récupérer! On ne sait pas de quoi vous parlez! Donnez-les-moi! Ah, oh, ça m'énerve vraiment! Vous allez voir! Une journée beauté? Un peu de chouchoutage me ferait du bien. J'en ai vraiment besoin. Je veux dire, regardez ça. J'ai bien mérité ça. Ce serait incroyable. On peut bien rêver. Attendez. Je sais quoi faire. Je vais m'épiler.
Ça ne peut pas être pire, si? Ouh! C'était vraiment pas bon! Hein? Attendez! Regardez ma poupée! Ken a connu des jours meilleurs. Il a besoin d'une journée au spa. Wow! Regardez ça! Avez-vous entendu parler des bandes de cire? C'est comme une jungle là-dessous. Reste tranquille. Ça va faire mal. On y va. Ça n'a pas l'air bon. C'est dégoûtant. D'accord, c'est l'heure de l'épilation. Prépare-toi. Et une jambe de fête. Faisons l'autre. Prêt? Partez! Alors, c'était comment? C'est bien lisse. Wow, c'est lumineux! J'ai besoin de lunettes de soleil. J'adore les masques faciaux dorés. Ma peau sera éclatante. Je vais le laisser faire son œuvre. Hey, c'est pas correct. Meuf, regarde tes dents. On doit faire quelque chose à ce sujet. Reste là. Je m'occupe de tout. Ça fera l'affaire. Je vais avoir besoin d'un petit morceau. Je vais le mettre sur tes dents. Tu vas l'adorer. T'auras un sourire d'Hollywood. C'est mieux. T'as l'air superbe. Quoi? Tu vois ça? Regarde! Tu vois quelque chose de différent? Attends, ça ne va pas! T'as besoin d'un relooking. Je sais quoi faire. Fais-moi confiance. J'ai besoin d'un pistolet à colle. Je vais accumuler la colle. Ensuite, je vais attendre qu'elle durcisse. Maintenant, j'ai besoin de peinture. Cette couleur fera l'affaire. Je vais l'appliquer sur la colle avec un pinceau. Ça ira à ton teint. Je dois couvrir toute la colle. Je pense que c'est prêt. Laisse-moi jeter un coup d'œil. Waouh! Incroyable! On pourrait être des jumelles. J'ai fait un excellent travail. Hey! Fais attention! Oh, c'est embarrassant. Oups! Tant pis! Comment ça s'est produit? Ça a fait pop! Je n'en ai pas besoin. Wow! C'est tellement drôle! Faisons comme si ça ne s'était pas passé. Oui, bien sûr! On devrait vraiment se voir. Non, elle a pas fait ça. Hé, hey, maman! Attends une seconde. Qu'est-ce qu'il y a pour le dîner? Ah! Chérie, non! Attends, j'ai oublié quelque chose. Voilà! Ouf, c'était juste. On doit utiliser ça. Je vais le mettre autour de la porte. Fini les accidents. Le dîner est presque prêt. Allô, tu es là? Quel livre intéressant! Je fais un joli dessin. C'est un chef-d'œuvre. Je suis assez contente du résultat. Oh, je sais ce qui pourrait l'améliorer. Je vais ajouter un autocollant. Il sera incroyable. J'en ajouterai plus. Regarde ce joli arc-en-ciel. Waouh, c'est génial! Merveilleux! Qu'est-ce que t'en dis? C'est beau, hein? Quoi? Tout le monde donne son avis? Mais je pense que t'as raison. Peut-être qu'il y a trop d'autocollants. Oh, ça ne s'enlève pas! Oh, mon ongle! Il est cassé! Maman, c'est une urgence! Ah! Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien, ma chérie? Est-ce qu'on peut arrêter de crier? Je dois arranger ça. Je pense savoir quoi faire. J'aurais besoin d'une feuille. Laisse-moi voir ton doigt. Ok! Fais-moi confiance, je vais poser la feuille sur l'ongle. Ensuite, je vais la couper. Ça a l'air bien, je vais la recouvrir de vernis à ongles. Ajoutons un peu d'éclat. Ces paillettes feront l'affaire. Qu'est-ce que t'en penses? Waouh, il est magnifique, j'adore! Fais le reste! Je m'en occupe, reste immobile. Je me sens comme un mannequin. Je savais que ça te plairait. Maintenant, où en étais-je? Maman, corrige mon dessin! D'accord, donne-le-moi. C'est soirée ciné. Oh, ça a l'air bien. Waouh, regarde ça. Aïe, ma dent. Maman, on a un problème. Tu vas bien? Je pense que je me suis cassé une dent. Je ferais mieux d'appeler le dentiste. Attends, le dentiste? Non, tout sauf ça. On doit soigner ta dent. Mais le dentiste fait peur. Ouvre grand. Non, s'il te plaît. Mais pourquoi? Le dentiste est terrifiant! Maintenant que tu le dis, on laisse tomber le dentiste cette fois. Attends, j'ai une idée. Je peux utiliser ce fil.
Sérieusement? Je le faisais quand j'étais enfant. C'est assez simple. Je vais attacher une extrémité à la porte. Ensuite, on aura besoin d'un long fil. On attachera l'autre extrémité à ta dent. Il faut que ce soit bien serré. Maintenant, ça pourrait faire mal. Ah! Alors, qu'est-ce que tu en dis? Laisse-moi réfléchir. Ça semble plutôt douloureux. Ah! Non, sans façon. Hors de question qu'on fasse ça. Ne t'approche pas, maman. Je le pense vraiment. D'accord, j'essayais d'aider. Que peut-on faire d'autre? Attends, j'ai trouvé. J'ai une belle pomme croquante. À quoi elle sert? Je suis intriguée. Prends une bouchée. D'accord, je vais essayer. Attends une seconde. Je pense que ça a marché. T'es un génie. Regarde ça. Merci, maman. Yay! Je la garderai pour la petite souris. À plus. Oh, elle est adorable. Je vais être riche. J'ai trop hâte. Tu le mérites, chérie. Quelle belle journée. Pas possible. Regarde, maman. Un ours en peluche? Sans doute. Je peux le garder? Non, il est dégoûtant. S'il te plaît, maman. D'accord, mais il a besoin d'un bain. On sera meilleurs amis. C'est le meilleur jour de toute ma vie. Allons-y. Ce nounours a besoin d'un relooking. Je suis prête. Je ne sais pas du tout comment on a fait ça. Donne-moi l'ours. Ça va prendre un certain temps. Cet ours a un look de méchant. Beurk, un insecte. Qu'est-ce qui t'est arrivé? En réalité, je ne veux pas savoir. Allons juste te nettoyer. Ouf, jusqu'ici, tout va bien. Donne-moi la pince à épiler. Remettons la garniture à l'intérieur. C'est tellement intense, je ne veux pas faire d'erreur. Je ne veux pas décevoir Gina. Je pense que c'est tout. Passe-moi l'aiguille et le fil. Voilà! T'es une excellente infirmière. On doit recoudre l'ours. Une autre opération réussie. Tiens, Gina, il est comme neuf. Waouh! Je suis tellement heureuse! Waouh, c'est génial! J'ai trouvé un nouvel animal préféré. Les renards sont si mignons! Salut chérie, j'ai ton porridge. Ce n'est pas très esthétique. Berk, ça a l'air dégoûtant! J'en veux pas! Quoi? C'est délicieux! Vas-y, goûte! Jamais! Gina, tu dois le manger. Ouvre ta bouche. Non, éloigne-le de moi! L'avion va atterrir. L'aéroport est fermé. Que dirais-tu de quelques bonbons? Surprise, c'est du porridge. Oh, je pensais que ça marcherait. Je veux juste regarder ces renards. Oh, celui-ci est adorable. Laisse-moi voir ça. Ça me donne une idée. Ouais, ça pourrait marcher. Oh, Gina, regarde ce que j'ai. C'est un bol renard. Tu as bien dit un renard? Donne-le-moi. Waouh, regarde ça. Qu'est-ce que... Le renard est parti! Oh non, quel dommage! Tu devras manger le porridge. Comment? Dis-moi, maman! Tiens, une cuillère. Je te trouverai, petit renard. Oh, du porridge! Souhaite-moi bonne chance. Ça marche. Il faut continuer. Je peux pas croire que je fasse ça. N'oublie pas de tout manger. J'ai presque fini. J'ai détesté chaque bouchée. Mais au moins, je peux voir le renard. Regarde, maman. Bravo, ma chérie. Je suis fière de toi. Ah, c'est tellement relaxant. J'en avais bien besoin. Au revoir, maman. Amuse-toi bien. Oh, regarde-la. Elle passe un bon moment. Youpi! J'adore la neige. C'est incroyable. J'adore la voir heureuse. Et je peux me détendre. Je pourrais m'y habituer. Je n'ai jamais de temps pour moi. Je me demande comment va Gina. Je ferais mieux d'aller voir. Gina, il est temps de rentrer. Attends, je vais essayer quelque chose. Tu vas attraper un rhume. Je m'amuse tellement. Encore 5 minutes, maman. D'accord, mais c'est tout. Oh, je m'amuse beaucoup. Oh, plus de thé, je ne vais pas m'en priver. Ce film est génial. Oh, Gina, entre. Oh, je me sens pas bien. Oh non, laisse-moi voir. Installe-toi confortablement, tu dois t'allonger. Mets-toi bien au chaud. Oh, je me sens terrible. Atchoum! Et si tu prenais des médicaments?
Non, c'est dégoûtant! Éloigne ça de moi! Mais ça t'aidera à te sentir mieux! Je m'en fiche! Oh, est-ce que ce sont des guimauves? Hein? Oh, oui! Attends, je pense que j'ai une idée! Mettons-nous au travail! Je vais remplir la guimauve avec le médicament! Gina ne se doutera de rien! Je suis tellement rusée! Mais elle doit prendre ses médicaments! À moi, à moi! Délicieux! C'était trop bon! Contente que tu aies aimé! Maintenant, détends-toi! Excellente idée! Oh, tu es si belle! Une Barbie aérienne arrive! Quelle est cette odeur? De la fumée? On tombe! Doucement, doucement! Ouille! Oh mon Dieu! Mais d'où est-ce qu'elle sort? On dirait qu'elle en a vu de toutes les couleurs! Tu vas bien, ma jolie? Seigneur! Mais j'ai une idée! Hein? Tu ne m'avais jamais dit que t'étais docteur! Remettons cette poupée sur pied! C'est ici que se trouve l'hôpital? Parce que je cherche du travail! Je l'ai! Je l'ai! But! Oh ouais! Qu'est-ce que t'as fait? Peu importe! À plus! C'était méchant! J'ai besoin d'un moment! Oh, ma vie! Oh non! Qui a laissé une Barbie ici? Elle est docteur? Trop cool! Hein? Un hôpital? Oh! Celui-ci est foutu! Laisse-moi m'en occuper! D'accord! J'ai la trousse médicale! Ok! Je n'ai pas fini! Voilà! Quelqu'un a une urgence? Docteur Barbie est à la rescousse! Tu vois? Quelque chose ne va pas vraiment! Oh! Je vais faire notre ambulance! Mais ce n'est pas n'importe quelle ambulance! C'est une ambulance Barbie! Ce qui signifie beaucoup, beaucoup de roses! Juste quelques pièces de plus! Et plus de roses, évidemment! Aucun carton marron autorisé! Ça s'améliore à chaque seconde! Même les roues ont besoin d'un relooking! N'est-ce pas mignon? La pâte à modeler rose l'emporte! Mais nous avons besoin d'un endroit où Barbie peut s'asseoir! Quelques sièges feront l'affaire! Super! Et regarde ce tableau de bord! On y est presque! C'est parfait! Oh, c'est mignon! C'est une vraie porte fonctionnelle! Avec les bons accessoires! Mais qu'est-ce qu'une ambulance sans gyrophare? Il permet aux gens de savoir qu'on passe! Super! Tout en haut! Il faut avoir une plaque d'immatriculation! Oh, c'est mignon! Parfait! Mais qu'en est-il de l'intérieur? Il doit être équipé de tout le matériel nécessaire! Et un frigo pour stocker les médicaments en toute sécurité! On ne sait jamais ce dont le malade aura besoin! Et nous sommes parés à toute éventualité! Bip bip, je passe! Wow! Faisons un essai routier! Amuse-toi bien! Oh, salut Betty! Qu'est-ce que c'est? Des trucs de médecin? Tu peux m'expliquer? Avec plaisir! Oh, ta tenue! Ça ne fait pas très docteur! Je vais arranger ça! Et il me faut juste ce masque! Mais sans les ficelles d'oreilles! En fait, on a juste besoin du tissu au milieu. Et voilà! Maintenant, aplatis le tissu. Ensuite, plie-le de cette façon. Ne bouge pas, Barbie! Je vais simplement dessiner les contours de ton corps. Voilà, du sur-mesure. Il suffit de connecter ces lignes ici. Puis, on continue le dessin jusqu'en bas. Maintenant, il est temps de couper. Essaye de rester le long de la ligne. Youpi! Juste une de plus à faire. Ensuite, fais une coupe sur le coin. Et utilise une agrafeuse pour garder les côtés fermés. Maintenant, retourne-le. Voilà le bleu. Coupe l'arrière comme ceci. Et fais glisser ses ciseaux. Barbie a une blouse maintenant.
Utilise du rose pour les petits détails. Docteur Barbie à ton service. Génial! Maintenant, elle a le look. J'adore son style. Betty? Ça te dérange si j'emprunte ça? J'ai une idée! T'as un autre masque qui traîne? Débarrasse-toi de ces ficelles. Ensuite, coupe complètement au milieu. Puis, retourne les pièces. Ensuite, superpose-les comme ceci. Ne bouge pas! Essaye-la, Barbie! Elle te plaît? Tu te rappelles cette paille? Il nous faut juste la partie flexible. Elle sera parfaite comme ceinture. Maintenant, attache les deux extrémités. La colle chaude à la rescousse. Salut, beauté! Ce docteur est prêt à travailler. Alors, tu aimes? Non, j'adore! Waouh, c'est toi qui as fait ça? C'est fabuleux, waouh! Ouais, je suis plutôt géniale. Waouh, c'est amusant ce truc! Hey! Quoi? Elle ne devrait pas avoir des chaussures? Oh, je suppose que t'as raison. Mais comment? Je sais quoi faire. Le chewing-gum est parfaitement malléable. J'aurai la taille parfaite. Tadam! C'est mignon, je suppose. Mais cette pâte à modeler... Laisse-moi gérer ça. La pâte à modeler est parfaite pour le moulage. Écrase-la, Barbie. Maintenant, quelques ajustements. Ça a l'air bien. Maintenant, quelques trous d'air. On ne veut pas que ces petons transpirent. Encore quelques-uns. Maintenant, créons les semelles. Ça ressemble de plus en plus à de vraies chaussures. Oui, juste comme ça. Est-ce que tu as du fil? Coupe un petit morceau avec une pince. Ensuite, plie-le en forme de U. Il servira de dos à la chaussure. C'est bien sécurisé. Comme les vrais crocs. Mais assez petite pour les pieds de Barbie. Alors, c'est très mignon, n'est-ce pas? Exactement comme ce qu'un vrai docteur porte. Ne sont-elles pas agréables à porter, Barbie? C'est comme si tu flottais, pas vrai? Waouh! Incroyable! Bien joué, ma jolie! Voilà un docteur stylé! Elles sont juste parfaites! J'ai une idée! Tiens-la! Chaque docteur a besoin d'outils spéciaux, comme une seringue. Tu vois? C'est peut-être trop grand. Et celle-ci? Elles sont toutes trop grandes pour elle. Celle-ci? Elle ne peut même pas la tenir. Laisse-moi réfléchir. Il doit y avoir quelque chose ici qu'on peut utiliser. Un trombone? Je ne sais pas trop. Hé, attends une minute. J'ai une idée. Allons-y. Il me faut juste ce petit bout. Ensuite, de la colle chaude. Voilà. Entre. Maintenant, revenons au trombone. Je n'ai besoin que de ce petit morceau. Il me faut un bout de mousse noire. Puis, on introduit le fil. Insère-le dans ce tube transparent. Colle l'autre extrémité. Tiens-la avec une pince pendant que tu peins le reste. Voici la graduation. Comme une vraie seringue. Plutôt génial, n'est-ce pas? Ok, Doc. Waouh, tu es prête! Cette chose est pointue. Tu es malade? Donc? Oh, d'accord, fais semblant de me piquer. Oh non, c'est pour de vrai. Reviens! Tu ne te sens pas bien? Docteur Barbie prendra soin de toi. N'hésite pas à l'appeler. Et elle sera là en un clin d'œil. Qui ne voudrait pas rouler dans ce truc? Et être soigné par le plus fabuleux médecin du monde. Avec des crocs et tout. Et dire qu'on a fait tout ça à partir de rien. Pas d'hôpital, pas de problème. Nous avons tout ce qu'il nous faut juste ici. Et nous n'avons manqué aucun détail. Une fois à l'intérieur, tu seras entre de bonnes mains. Tiens bon, ma jolie! Tu te sentiras mieux en un rien de temps. Fais-moi confiance, je suis un docteur. Pourrais-tu vivre sans maquillage? Alors regarde bien, parce que nous allons te montrer comment toujours en avoir sur toi.
Je dois finir avant que les élèves ne débarquent. Une touche de couleur ne fait jamais de mal à personne. Ce truc sent vraiment bon. Bonjour! Pas de maquillage! Désolée, Olivia. Les règles ne s'appliquent pas aux profs, hein? C'est pas juste, je déteste cet endroit. Et maintenant? Comment est-ce arrivé là? Qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre là-haut? Tu es de retour, Olivia? Qu'est-ce que tu as sur la tête? Vous le voyez? Oh non! Oh. Salut! Tu peux m'aider? Ok. Parfait! Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ils n'ont pas de maquillage, n'est-ce pas? Reste cool! Vous cachez quelque chose tous les deux? Bien sûr que non! Ça va! Tout m'a l'air bien! Ah, on a eu chaud! Quelqu'un connaît la réponse? Je suis plus intéressée par ça! Involontaire? Qu'est-ce qui vient de se passer? Oups! Désolée! Léo? Tes lèvres ont toujours été de cette couleur? Vous aimez? Non! Va te nettoyer! Les jeunes! Désolée! Je n'arrive pas à croire que je suis clouée au lit! Pauvre Olivia! Je sais ce qui va te remonter le moral! Non? Tu as faim? Je sais que tu aimes le thé! Pas envie! Il ne me reste qu'une chose à faire! Ça devrait te faire rire! C'est pas drôle? Non! Et si j'enlève les maracas? Je veux mon maquillage! Oh! Je sais! Oh, saleté de graines de framboise! Arrêtez-vous là, jeune homme! Pas de maquillage! Sérieux? Ok! Comment épelle-t-on l'appendicite? Encore vous? Qu'est-ce qu'il y a sous cette frange? Bien tenté, mais non! Oh! Oh! Il est mignon, hein? Allez-y! Je suis là! Un ours? Pas juste un ours! C'est un nounours spécial! Attends une seconde! Tu as perdu la tête? Oh! Léo! Derrière toi! Donnez-moi ceci! Oh, désolée! J'ai vraiment essayé! Ce jeu va faire passer le temps plus vite! C'est super amusant! Je crois que je vais gagner! Bonjour! Pardon, mais vous ne savez pas lire? Sérieux? Dehors! Alors on aime jouer, hein? Attends… Bonjour! Quel est ce jeu? Je peux… Oui, bien sûr! Cool! C'est plein de maquillage! Je suis morte! À plus! Je veux vraiment voir ce film! Mais oui! Bien sûr! C'est encore moi! Hum! Une entrée! Un bras cassé, c'est pas drôle! Bon film! Ah, quel parfum! Où est Olivia? Tu es là! C'est trop gentil! Oh, tu as mal? C'est juste pour décorer! Bien joué! Waouh! Qu'est-ce que tu crois qu'il cache dans ce truc? J'ai envie de savoir! Hé! Hey, ma jambe! Au secours! Des bonbons? Madame? La fête est finie!
À plus, Léo! Trop la honte! Mes lèvres! Mais j'ai besoin de gloss! Il est temps de faire un petit voyage! Maintenant, tu as tout le temps de lire ton livre! C'est vraiment beau ici! Ça ne t'embête pas, hein? Encore un peu plus! Phew! Voyons ce que nous avons aujourd'hui! Code maquillage! Code maquillage! Oh! Arrêtez-vous là! Sac rose, s'il vous plaît! Non, pas sous mon autorité! Mais il est tout neuf! C'est une tache? Faut que ça brille! Stop! Qu'est-ce que c'est que ça? Rien ne m'échappe! Ne bougez plus! C'est super éprouvant nerveusement! Et maintenant, je vois pourquoi! J'appelle mon supérieur! Non! On va juste y aller! J'adore mon travail! Une autre passagère? On dirait que tout va bien! Il aime le genre instagrammeuse, hein? Alors c'est ce qu'il aura! Pouvons-nous embarquer, s'il vous plaît? Merci beaucoup! Qu'est-ce que c'est? Oh waouh! J'ai laissé tomber un truc! C'est pas cool! Dehors! Dehors! Quelle journée! Pardon, merci! Je peux enfin me maquiller! Mon avion! Dites à ma mère qu'elle va me manquer! Je vais en profiter pour faire du tourisme! Au moins, je serai frais! Combien de temps vais-je rester ici? Je n'ai rien fait de mal! Comment se fait-il qu'elle se maquille? Je suis un vrai monstre! Je dois appeler Léo! Je me demande où est Olivia! C'est elle? Une photo de maquillage! Ma balle! Léo! J'ai eu ton message! Il n'y a personne? Là! Tu es mon héros! Je ne crois pas! On y était presque! Salut! Ah, je n'arrive même pas à dessiner! C'est Léo? L'art du camouflage, les amis! Il croit qu'il est invisible? Ce garçon a perdu la tête! Jeune homme, vous pensez que je suis aveugle? Elle a tout fichu en l'air! Ouais. Il est encore là? Ouais, frérot, carrément! Il ne parle à personne! Oups! Mon fard à paupières! C'est du rouge à lèvres sur sa cuillère? Il n'y arrivera jamais! Presque! J'ai le droit de manger un truc, non? Ok! Je m'en doutais! Vas-y! C'est du rouge à lèvres! À quoi je ressemble? Je t'aime! Je dois y retourner! C'est moi la plus belle! Allez, on va tester vos réflexes! Ah! Je ne contrôle plus ma jambe! Dis donc, sa jambe est vraiment hors de contrôle! Calme-toi, jambe! Aidez-moi à la remettre à sa place! Bon, j'ai l'impression que vos réflexes sont bons!
aïe! Mon pouce! Ça va, je comprends que ça fasse mal. Regarde, des chocolats, ça va te remonter le moral. C'est quoi ça? Des chocolats? C'est interdit au sein de l'hôpital! Alors, on va regarder votre pouce. Oh, pourquoi est-ce que ce fauteuil ne veut pas bouger? Souviens-toi de moi après ma mort! Si seulement il pouvait avoir ces chocolats. Je me demande s'il existe une manière de les faire passer discrètement. Je lave juste par terre. Hé! Qu'est-ce qu'il y a dans votre seau? Enlevez ça de là tout de suite. Non, ça ne marcherait pas. Peut-être que je pourrais. Dis donc, joli pas! Attendez, arrêtez-vous là. Les chocolats sont interdits. Bon, je pense que ça ne marcherait pas non plus. Attends, je crois que j'ai trouvé. Combien j'ai d'argent sur moi? Bonjour, vous pourriez peut-être me laisser entrer avec ça? Oh, dis donc, ça fait beaucoup d'argent! Hé, je n'ai pas dit que vous pouviez passer! Non, et en plus je serai ruinée après! Je suis à court d'idées! Hein? Comment ça va? J'arrive tout de suite! Pas possible! Je crois qu'il vient de me donner la solution! Bonjour! Ce plat est autorisé par l'hôpital! En tout cas, il en a bien l'odeur! Enlevez ça dessous mon nez et allez-y! Oula! Quelle odeur! Qu'est-ce que vous regardez? Hé! Regarde ce que je t'ai ramené! Hein? Mais ça sent super mauvais! Je sais! C'est comme ça que j'ai pu le faire passer! Tu auras besoin d'une cuillère? Fais-moi confiance! Hé! C'est quoi ça? Finalement, tu m'as amené un chocolat! Oh non! Cache ça! Comment vous vous sentez? Assez bien pour manger? Oh là là! C'est horrible! Ouh! Oui, je comprends mieux. Je dois aller voir d'autres patients. Bon, comment on récupère ça maintenant? Je peux peut-être la voir en sautant? Arrête! C'est comme ça que tu t'es fait mal au pouce? Ne bouge pas, j'ai une solution. Ce balai devrait le faire tomber. Plus à gauche? Non, ton autre gauche! Bon, ça n'a pas fonctionné. Il est temps de faire appel au grand moyen. Oh, mon pouce! Dépêche-toi! Qu'est-ce qui se passe ici? Je m'étire juste. C'est important pour la santé de faire du sport. Qu'est-ce que... C'est vous qui avez fait ça, c'est ça? Je t'ai amené une fleur. Oh, super! Merci. Qu'est-ce que tu regardes? Pile ce dont je rêve. Des bonbons! Clin d'œil, clin d'œil. Bonjour, j'ai entendu que vous étiez la personne référence pour les bonbons. J'ai un large choix. Qu'est-ce qu'il vous faut? Je vais tout prendre. Ça va être assez? Cette journée est super longue. Oh, bonjour! Qu'est-ce que vous avez là? Rien, c'était juste mon portable. Tiens, c'est ce qu'on va voir. Il fait chaud pour porter une veste. Ah! Toute une série d'objets de contrebande. Je peux peut-être me faufiler sous le bureau. Vous pensiez que je ne vous verrais pas? Vraiment? Je vais courir tellement vite qu'elle n'aura pas le temps de me voir! Dites donc, il court vite! Il se dirige vers la porte, mais il n'est pas assez rapide! J'ai réussi! La porte est là! Je ne crois pas, Flash! Vous pensiez vraiment que ça allait marcher? Excusez-moi, je viens voir une amie! Oh, c'est vrai? Oh! Oui! Je vais y arriver avec ce skateboard! Oh là là! Je suis vraiment désolée! Des bonbons pour toi! Et des bonbons pour toi! Mais non! Mes préférés! Je ne t'ai pas oublié! Oui! Des sucettes! Pile ce que je voulais! Attention! Aïe! Ça a dû faire mal!
Oh là là, j'ai tellement envie de nouilles. Hé, hey, regarde ces photos. Elle doit être désespérée. J'adore les frites. Oh, bonjour, comment je peux vous aider, monsieur? Je viens voir un ami, mais regardez mes muscles. Oh, dites donc. Enfin, vous êtes en pleine forme. Ça vous dérange si je… touche vos abdos? Hein? Pourquoi est-ce qu'ils croustillent autant? Hé! Hey! Ce ne sont pas du tout des abdos! Repartez avec vos nouilles! Oh non! Je pensais vraiment que ça allait marcher! Hé, un magazine! Mais non! Je suis sûre que je peux faire pareil! Pardon, madame, je viens pour une visite. Ce sont vos cheveux? Hé! Hey, il a des nouilles sur la tête! Honte à vous! Je suis encore en train de nettoyer vos nouilles d'avant! Ouais! Comme elle a dit! Hein? Vous êtes encore ici? C'est suspect. Salut! J'ai tout essayé pour t'apporter des nouilles. C'est l'heure du repas? Au menu de ce soir, des nouilles? Mais non! Alors que je me suis cassé la tête toute la journée! Eh ouais, tu peux y aller maintenant. Tiens, ce verre d'eau va te faire du bien. Bah, l'eau n'a vraiment pas de goût. Si seulement je pouvais boire du soda. Oh, pas de problème, tu peux compter sur moi. Pourquoi est-ce que ce truc ne fonctionne pas? Hé, hey, vous croyez aller où comme ça? Oh, d'accord, c'est injuste. Oh là là, ces seringues pourraient être la solution à mon problème. Allez, c'est le moment d'entrer en action. Mais d'abord, je passe aux toilettes. Dis donc, il y a beaucoup de soda ici. Je ne vais pas me gêner. Tiens, du soda gratuit. Cool. Oh, j'ai envie d'une canette de soda. Hé, hey, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi ça? Toutes mes canettes ont disparu. Enfin, presque toutes. Mon plan peut quand même fonctionner. Bonjour, je dois apporter des médicaments? Oh, bien sûr, si vous le dites, allez-y. Salut, c'est moi! C'est quoi ça? Je ne veux pas de piqûres! C'est du soda, comme tu m'as demandé! Ouvre! Et la grosse est pour moi, vu que j'ai fait tout le travail! C'est trop bon! Alors, comment va mon patient? Ouvrez la bouche, s'il vous plaît! Vous avez bu du soda en cachette? Aïe! Mon pied! Vous aussi? Donnez-moi ça! Qu'est-ce que c'est? Du soda dans une seringue? Venez avec moi, infirmière! Vous allez avoir des problèmes! Mais non, on s'en est sorti! Les relookings se présentent sous toutes les formes, toutes les tailles et à tous les prix. Quelle a été votre partie préférée? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos amusantes comme celle-ci.